concernant son organisation dans le De quoi il a bien été. Vraiment, Kolo a pas mal à yo, n'a qu'on bon à Jésus-Christ. Et comme il a un poteau, quand il a un peu de temps, il a été à travers l'instrument et la tombe, n'a qu'on bon à Jésus-Christ. Kolo, Jésus-Christ. Pour lui, bon, il n'a pas bon à ça pour lui. Et tu es à Bissot. À travers l'instrument, là, on pense aux lignes là qui peuvent être bissot, tous à la édifier, tous à la sanctifier, tous à la purifier, tous à la blanchir, tous à la perfectionner, tous à la bénir, Seigneur mon Dieu, mon roi, tous à la délivrer. Yahweh, comme on bataille, comme on va tiens, mon amour, mon sali, d'ailleurs, pour la tina, la tombe à Bissot, pour la gaille en particulier, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. On s'abonne. Et longo, ma bien-aimée Jonas, on a bon la côte. Que la paix du Seigneur des hommes en mon corps. Que la paix du Seigneur soit le partage de tout un chacun. Golou Nazambe Bumbayo et Salela Yomolam. Que la grâce de Dieu te garde et te fasse du bien. Ce qui toujours mon colonel Lelo. Si nous avons reçu le jour d'aujourd'hui, le 29 novembre 2021. Le 29 novembre 2021. Ce n'est pas par nos efforts, mais c'est l'amour de Dieu. C'est pourquoi à tout moment nous lui rendons des actions de grâce. Parce qu'ils ont mérité un mot. Amen. Tout c'est lui qui nous les donne. C'est pourquoi nous sommes persuadés que le Seigneur ouvre l'intelligence de tout un homme. L'ouverture d'intelligence. L'ouverture de l'intelligence du Seigneur l'a fait chez ceux qui l'aiment. Le Seigneur leur ouvre l'intelligence. Il faut louer le Seigneur lorsqu'il t'ouvre l'intelligence de comprendre les choses du royaume. Parce que le Seigneur ne le fait pas à tout le monde. S'il le fait dans ta vie, sache qu'il a un meilleur programme sur ta vie. Il avait dit à Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Marie a pourni les alliés pour la malade. Qui ne lui sera point ôté. Oyo, ma coquille, comment tu l'as. Jésus-Christ, mon Kéririkolo Bessé. Jésus-Christ, le créateur du ciel et de la terre. Il a pris la bonne part. Il a pris la bonne part. Vraiment, ce qu'ils ont bien perçu en haut. C'est pourquoi si le Seigneur te la donne, il faut le glorifier à tout moment. Ceux-là qui négligent l'enseignement, donc c'est pitoyable pour eux. Parce que l'enseignement s'opère ou s'accomplit par rapport à l'enseignement. Vous voyez, lorsque Élie partez au ciel. Élisée disait, Mon père, cher Israël.
Et puis ce qui était venu à apporter Élie, c'était le chat. Et lui-même, Élie, est appelé aussi le chat. Donc il y a un secret là-bas. Donc le chat et le chat viennent. Donc. C'est la parole. Ce qui viendra te prendre, c'est la parole. Il faut y avoir comme la parole. Et il faut que toi aussi tu deviennes la parole. C'est là, la parole ne viendra pas prendre ma parole. Seulement celui qui deviendra parole. Et la parole viendra le prendre. C'est la même manière le chat qui vient prendre le chat. C'est pourquoi nous veillons sérieusement sur la parole. Car c'est elle qui est notre vie. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 8. Toujours le verset 3. Tout va dire même dans 2. Dans 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Et les sept trompettes leur firent donner. Et un autre ange vint. Moi, je me souviens. Et il s'éteint sur l'autel. Et ayant un ascenseur d'or, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta par sur la terre. Et il y devoit des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Que Dieu bénisse cette lecture. Nous allons surtout que tout comprendre, penser et en amener par le Saint-Esprit qui nous a donné. Nous voulons plus comprendre la pensée de Dieu par le Saint-Esprit. On avait déjà marché pour montrer toutes les choses qui sont écrites dans le livre d'Apocalypse. Le Seigneur en avait déjà parlé dans l'ombre. Dans l'alliance qu'il avait donnée à Moïse dans Sinaï. Donc, nous montrons que pour comprendre ce qui est dans l'Apocalypse, il faut regarder derrière. Lorsque nous parlons de regarder derrière, Sima et Talisaka, Moïse. Derrière où les dos parlent de Moïse. Mon étang au total qui n'a pas lisse 1. C'est pourquoi lorsque nous avions lu dans Apocalypse 1, au verset 10, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme les sons des trompettes. Donc, derrière. Jean l'avait entendu derrière. Donc, les choses qui sont d'Apocalypse, Jean ne l'avait pas vu de vue. Mais Jean l'avait entendu. C'est pourquoi nous insistons.
cette écriture. Ce n'est pas en vain qu'il y a cette écriture. Donc, pour comprendre les choses qui sont d'Apocalypse, il faut que nous ayons la sima. Il faut aller l'entendre par derrière. Si Mawana Damien se yama prophète. Et les dos ou derrière, c'est tous les temps de prophètes. Yango, Tozoa Kinda Kisalobi par la grâce de Dieu. C'est pourquoi hier nous avions pris un exemple. Tomonaki que na sacerdoce Oyo Zambe Apesaki Israël. Nous avions vu dans les sacerdoces que le Seigneur avait remis à Israël. Sacerdoce Lévitique. Bongangan Zamba Balewi. Ezalaki image to elilingi ya makambo ezali kolo. C'était l'image des choses célestes. Et mbe ou bien en s'asseoir. L'en s'asseoir d'or. Ezala kaka na maboko ya moto moko. Ne se trouve que dans la main d'une seule personne. Souverain sacrificateur. Na maboko nganga nzambe monene. Eloko wana ndefelo kosimba. C'est la chose que tu devrais saisir. Ye pende asalaka bolimbisi ya libota mpona mobumu bimba. Et c'est lui le souverain sacrificateur qui fait l'expiation du peuple pour toute l'année. Tozoaki Lévitique 16, verset 17. On avait pris Lévitique 16, le verset 17. Et tant asalaka likambo wana. Et lorsque Aaron fait ce service, il y a expiation pour le péché. Il y a bolimbisi ya masumu. Azalaka ye moko na kati ya. Il se retrouve seul dans la tente d'assise. Il ne se retrouve avec personne d'autre à côté. C'est pourquoi nous avions lu Lévitique 16. Verset 17. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans les sanctuaires. Jusqu'à en sorte qui n'ont pas été abîmés kuna wana tapa salaka expiation qu'on a voulu ici il y a année monimba là lorsque Aaron fait l'expiation pour toute l'année zaraka yemoko il n'est que seul là-bas mais il faut y bagaza pena bana au basa sacrificateur mais il faut savoir qu'il a aussi des fils qui sont les souverains sacrificateurs bah. Des sacrificateurs. Des sacrificateurs. Les sacrificateurs wana bazaka na role ya kobeta makelelo. Et ces sacrificateurs l'ont pour rôle de sonner les trompettes. Yango tozwa ki nombre 10. C'est pourquoi on avait pris nombre 10. Lolenge Zamba lobi na verset 6e. Comment est-ce que le Seigneur a dit au verset 6? Ke banganga Nzambe bangonde bakobeta kelelo. Ce sont les sacrificateurs fils d'Aaron qui sonneront de trompettes. Ozui na verset 6. Na 7. Ce sont des sacrificateurs qui sonneront des trompettes. Bangonde bazana rôle wana. Na verset 8 directement pour Nathan. Les fils d'Aaron. Bana bibali alona. Bazana nombre 10 verset 8. Les sacrificateurs banganga nzambe sonneront des trompettes. Bako betaka tokoula kakelelo. Oyeza batu bazana 7. Ici, ce sont des hommes qui sont sur la terre. Ils sont comme l'image ou l'exemple de ceux-là qui sont dans le ciel. Au ciel, là-bas, ce ne sont pas des anges. Au ciel, ce sont des anges. Mais maintenant, les services terrestres étaient l'image du service céleste. Donc les sacrifices, ils avaient le rôle de tenir les trompettes. Mais le souverain sacrificateur, mais le souverain sacrificateur, ce n'est que lui et lui seul qui a le service de faire l'expiation de l'année, de toute l'année. Pourquoi je marche ainsi? Ce signe-là, bien aimé, il y a un bâtier. Nakatia Apocalypse 8. Et c'est ce qu'on a reproduit dans le livre d'Apocalypse. Parce que dans Lévitique 16. Parce que dans Lévitique 16. L'anganzambe monene. Le souverain sacrificateur. Atumbaka paka ya malas. Il brûle le parfum. Et puis azui angwa tia mona kat encensoir naye. Et puis le met dans son encensoir d'or. A continue si elle qui boule. Donc il est très saint. Et puis il entre dans le lieu très saint. Et si Kaboyo arche Zali,
là où il y a l'arche. Arche, ça dit, et le boya trône de Dieu. L'arche était le signe du trône de Dieu dans les cieux. C'était là où Dieu était. Et tant qu'à cause l'encensoir n'a rien n'ici encore. Et lorsqu'il va bouger, donc pour là-bas, parfum zopé dans la carte. Comme il y a la fumée du parfum qui se répand. Milinga et boya. La nuée du parfum se répandra sur le trône. Et là on dit Aaron et Mourabwa. Alona Kukufate. Donc cela veut dire acte wana et longa kanywa. C'est-à-dire l'acte du parfum qui se répand dans les lieux très saints à la victoire sur la mort. Yango maintenant tous au monde qui c'est l'unique personne à Sana Kiango. Et nous avons vu l'unique personne accomplie. C'est les souverains sacrifiés. Il avait apporté le parfum devant le Seigneur et quel donc qu'est-ce qui se retrouve? D'abord, Yacomo. Le parfum ou l'encens lui-même. Donc il est Ingoloba. C'est la vie. Oh, Yazan, il est l'hôtel d'or. L'ange qui est sur l'autel. Il était vraiment Pakamalasi à Solo. C'est lui le véritable parfum. Au place au Pakamalasi, Zali. Et Yatia. Parce que lui se retrouve là où il y a le parfum. Et puis. Et puis. Il est dans un encensoir. Et c'est lui qui est détenteur de l'encensoir. Est-ce que nous comprendre les Kambou et c'est le mec qui est pas Manouach? Est-ce que tu comprends ce qui s'était passé chez Manouach? Papa na Samson. Le père de Samson. Tamboazé, Sakin Zambé. Lorsqu'il avait fait entendre qu'il Dieu. Qu'il a offrir Nan. Qu'il puisse d'abord offrir pour. Mais c'était un homme, Ayagi Botalaï. Mais c'était un homme qui était venu le visiter. Mais Tambo a sacrifié. Mais lorsqu'il a sacrifié, bien-aimé. Milingawana Tandezomata. Et lorsque la fumée des sacrifices. Amoni, l'homme Ayagi Botala Bango comme l'ange. Il a vu l'homme qui était venu le visiter comme l'ange. A côté dans Katia Milingawa. Entré dans la fumée et monté ensemble. Alors, ça c'était le bien-être. Oh, Isali, Sambe, Moko. Parce que celui qui recevra cette fumée du sacrifice, c'est Dieu lui-même. Dernier, nous avons vu Dieu. Et nous allons mourir. Parce que nous avons il y a des belles paroles d'exhortation qui sont dans cette écriture-là. Et Dieu bénisse. Amen. Ici, je montre d'abord la chose telle qu'elle est. Maintenant, tant qu'on va présenter qu'il y a assimilé encensoir. Maintenant, lorsqu'on l'a présenté avec l'encensoir en main, Otalina nous a inédingi. Tu regardes d'abord dans l'ordre. Nani yango na service ya temple azalakana encensoir. Qui est-ce que dans les services de la tente d'assignation détient l'encensoir? Izalaka mutumoko. Seule une seule personne. Nganzambe mokonzi. Le souverain sacrificateur. Tant qu'on tali yango na mobeko. Lorsque tu le regardes dans la loi. Dans Lévitique 16. Dans Lévitique 16. Ozongi na Apocalypse 8. Tu rentres dans Apocalypse 8. Olobi un jour ya simbi encensoir. Ezane Jésus. Et cet ange qui tient l'ascenseur, c'est Jésus-Christ lui-même. Et Dieu bénisse. Amen. Esaïe Moko. C'est lui-même Jésus-Christ. Maintenant, Nanzela Naïebe, le sang bonabiso et Zodima. Et maintenant, c'est par lui que nos prières sont agréées. Yangwa Zuba, le sang bonabiso Nyos. C'est pourquoi il a reçu toutes nos prières. Masangisi Angona va parfum Naïe. Mais il les a mélangés avec son parfum, son parfum. Parfum naïe ezalinde yemoko, c'est son nom propre. Et ses parfums sont lui-même, le nom de Jésus-Christ. Isala naïe nyon. Ses attributs. Zola namalam. Vous suivez attentivement. Le nom de l'Éternel est un parfum. Kombo na Yahweh zali malasi. Faut na yo comprendre ma. Il faut comprendre les choses telles que nous marchons avec. Maintenant, on va présenter Boye. Maintenant, on a présenté comme ceci. À cause de ma kala ya moto, Boye Ezali, na hôtel d'or, il le dit, Pambolaka, Olakela, Batoma, Bete. Là où la Bible nous dit de toujours bénir et ne jamais mentir. Ozongi, c'est na ma bena, ma bete. De ne pas rendre le mal pour le mal. Salaka kamalam. Et toujours faire du bien. Ata ennemi na yo azana nzala. Même si ton ennemi a faim, pisaye. Donne-lui la nourriture. Alibi oye ne so sala kola moani. En faisant cela, ezaneti makala ya moto zotia kola moani. Ce sont des charbons de feu que tu amasses sur sa tête. Ozomo na bola mosali. Voyez le bien que tu as fait. Mais ozomo comme un charbon ikiti. Mais cela retourne comme des charbons de feu sur la tête de ton ennemi. C'est le mouvement, ils en ont parlé suite. Et c'est ça le mouvement.
mouvement d'Apocalypse. Ce qui va sur ma prière, la bisognos. Donc si on prend toutes les prières des saints, Colo a offrir y ango ensemble na parfum. Et le Seigneur les offre ensemble avec ses parfums. Na parfum na yeri Coloba, le sang bonios kosalaka et ça ne makana kumbo na Yesu. Avec ses parfums venir, toutes nos prières se font au nom de Jésus. C'est non l'andez à la ca un bon parfum zambayoka. Et c'est ça le nom de Jésus qui est un bon parfum agréable à Dieu. Ce qui est long pour Jésus Christ dans la quantité. Si Jésus Christ n'est pas dans quelque chose, parce dans ce que Jésus Christ on a un parfum. Dieu ne va pas l'agréer parce que c'est Jésus Christ qui est le. Il y a bon des zambayoka solo kito. Et c'est l'odeur agréable que Dieu va agréer. Mais il faut y baguer. Mais il faut savoir. Un jour, mon colo, mon corps. Balosan koya basan. Les prières des saints. Et ko zonga na mabele. Retourneront sur la terre. Mais na lolenge ya bakake. Mais en forme de coup de tonnerre. Ba tremblement de terre. Tremblement de terre. Comme un grand jugement. Et comme un grand jugement. Et cette étape que Apocalypse 8 dit sur nous. Et cette étape dont nous parle Apocalypse 8. Des années 6. Donc c'est le sixième saut d'Apocalypse. Parce qu'il y a un mot d'Otarisaki. C'est pourquoi nous avions montré dans cela que dans le sixième saut, le Seigneur frappe la terre. Au sixième saut, le Seigneur frappe la terre. Zambé alakaki na Esaïe chapitre 24. Le Seigneur avait promis dans Esaïe chapitre 24. Esaïe 24. Esaïe 24. Donc, je viens à verset 21. Isaïe chapitre 24, le verset 21. Na 22. En ces temps-là, Natangouana, l'Éternel châtiera dans les ciels l'armée d'en haut. Kolo akobetaka na mapata mapinga el kolo. Et sur la terre, les rois de la terre. Na mabili bakou. Vous voyez comment est-ce que le Seigneur a fait frappé l'Ikolo. S'il frappe le ciel, l'armée va naître, le soleil, la lune et les étoiles. Et cette armée-là, c'est le soleil, la lune et les étoiles. Et à quoi frapper même les rois de la terre. Et au même moment, il frappera aussi le roi de la terre. C'est ça le sixième son. Yangonde Ndanga Yamotoba. C'est pourquoi dans ces frappes, le soleil est comme noir. Le soleil s'obscurcira. Donc, il obéit au ministère de Moïse. Ce langage, là, nous l'avons vu dans le ministère de Moïse. Donc, Zambé a secoué. Le Seigneur va secouer. Il a physique, non? Les choses qui sont d'abord terrestres, physiques. Mais à consécuer aussi où ils allaient comme élimbonayango des choses spirituelles. Il va aussi secouer les choses spirituelles qui ont pour signe des choses terrestres. Donc il y a les montagnes appelées montagnes, voyez. Ils allaient na bangomba ou zangomba. Mais véritable montagne en zamba consécuer des yamone balobi awa les rois de la terre. Mais les véritables montagnes que le Seigneur va secouer sont roi de la terre. Pour comprendre le langage, nous sommes dans la sixième son. Comprenez tous les langages qui sont là dans le sixième son. Dans mon zon, nous avons secoué. Lorsque le Seigneur dit secoué, le cola, nzete ya figue, ils allaient secoué par le vent violent. Comme un figuier secoué par le vent violent. Figuier, c'est Israël. C'était Jérémie chapitre 24. Si vous prenez Jérémie chapitre 24, l'écriture et le Bible. L'écriture dit ceci. L'Éternel, à partir du verset 1, l'Éternel me fit voir deux paniers de figues. Yahweh a talisinga ibambe qui mi balé ya. Posé devant le temple de l'Éternel. Après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, y amené de Jérusalem et conduit à Babylone, Jéconia.
Memaki na Jérusalem, Mokonzi Jekonia, fils de Joachim, Mwana Mobali à Joachim, roi de Juda, Mokonza Bayuda, le chef de Juda, Bakonza Bayuda, le charpentier de Serivier, Asali Mabaya, Piba, l'un des paniers contenait de très bonnes figues, Moko Yabambeki et Zalaki. Comme les figues de la première récolte. Et l'autre panier de très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit, que vois-tu, j'ai répondu, les figues. Les bonnes figues sont très bonnes. Et les mauvaises sont très mauvaises. Elles ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ainsi parle l'Éternel et d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable. Les captifs de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable. Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les. Compagnons Ézéchiel et d'autres juifs pieux. Bamopé m'a gagné en captivité. Et aussi s'était rendu en captivité. Azaba bonne fille. Ils sont des bonnes filles. Ma figo et ma bé, Azaba Oyoyo, Bazo Kota, na fausse adoration. Le figue de mauvaise qualité sont ceux qui entrent dans la fausse adoration. Et ça, textuellement, n'est pas au rang de la sixième somme. C'est textuellement ce qu'on dit dans le sixième somme. Balobi, un vent violent, ils ont secoué. Mon pépé, mon koya, ma casse, ils ont ningisa. Comme ils ont secoué, ma figue, ils ont coué sa ma figue verte. Oui, ça, l'ina qu'on ningisa, mon souke, pé, ils ont coué sa ma boumana. En réalité, Bazo fait ça, des types, y a ma figue. On nous parle de deux types. C'est la première récolte. Il y a des figues de la première récolte. Il y a en réalité ce que tout est dans l'Apocalypse 14. C'est pourquoi dans la réalité, en lisant Apocalypse 14, figues de la première récolte, ils ont les 144 000. Les figues de la première récolte, ils sont les 144 000. Dans la réalité. Dans la réalité des choses. Mais il y a comme prémices. On les a appelés comme les prémices. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Il faut que vous subir pression à Babylone. Mais il faut savoir qu'ils subiront la pression de Babylone. Mais en va vous protéger. Mais le Seigneur les protégera. Dans le lieu que va adorer la bête. De la manière à ce qu'ils ne puissent pas adorer la bête. Et Dieu bénisse. Amen. Nous zonga. C'est pourquoi nous retournons. Nathan ou Oyo va désoir va vous salam salam. Où les deux uns seront en service, Bamonde va frapper la terre. Et ce sont ces deux personnes-là qui frapperont la terre. Quelle écriture est de Misagabiso? Et quelle écriture nous atteste cela? Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Tango Babomi Bamon. D'abord, on attend verset 5 et 6. D'abord, j'ai lu le verset 5 et 6. Tobandi, le verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Nakopesaka na banzenge ne kenanga mibale makoki à côté à toko sakola. Revêtis de sac. Balata sac. Pendant 1260 jours. Mikolo 1260. Elimbo ya sac et talisaka. Temps dur, temps et humiliation. Donc le signe de porter le sac représente des temps durs, des temps de l'humiliation. Maintenant, le chose que le Seigneur fait parmi les peuples, le Seigneur le met ou le représente dans le corps du prophète. Aux yeux d'exemple, Jean-Baptiste. Prenez par exemple Jean-Baptiste. Yéda Bengamaki a expliqué Batouke, Jésus est. C'est lui qui a été appelé à présenter Jésus comme l'agneau. C'est ça la mission. La mission qu'il avait. Mais dans Matthieu 11, Matthieu 11, on l'avait mis dans la prison.
disciples. Et puis il envoie ses disciples. Pour qu'ils aillent demander. Jésus. Pour qu'ils aillent demander. Est-ce que c'est lui? Ou devons-nous attendre un autre? Voilà Jean Aza ya peuple Mobimba. À cet endroit-là, Jean est le signe de tout le peuple d'Israël. Parce que Moussala Jean Zalaki na. Parce que l'œuvre qu'avait Jean. Les Anga la Xabino ke yeyo l'agneau de Dieu. Vous présentez Jésus, lui l'agneau de Dieu. Comment se fait-il qu'il y a un tour dans Zouzouke? Est-ce que ça y est? Tout le la moussous. Comment se fait-il encore Jean doit commencer à se poser la question à Jésus si c'est lui ou devons-nous attendre encore un autre? Toyoka Matia Nicolo Nango Mibili. On a entendu beaucoup d'enseignements là-dessus. Et des faux enseignements. Puis Matia Mabé à l'Okuta. Bien moni Somosana grâce à Moussara Nzambé. Si tu as la grâce dans l'œuvre de Dieu, si tu arrives vraiment à la fin, tu auras des troubles dans la parole comme Jean-Baptiste. La Bible ne dit pas ainsi. Au fur et à mesure, l'âge avance, la sagesse avance. Au fur et à mesure, dans les choses de Dieu, l'âge avance, la sagesse aussi accroît. C'est comme Abraham. Isaac, la sagesse de Igokola. C'est comme Abraham, Isaac et les autres, la sagesse ne faisait qu'augmenter. Et la sagesse ne diminuait pas. Mais Jean-Baptiste, qui a présenté Jésus, a bossanaki Jésus. C'est la dernière année que Jean-Baptiste qui a présenté Jésus avait oublié encore. Jean-Baptiste Azalaki pe elembo ya libota ya Israël ya Tawa. Jean-Baptiste était aussi le signe peuple d'Israël en ces temps-là. Et que Bazaï pour comprendre qui c'était. Et c'est le peuple qui ne comprenait pas les choses. Et ça, les mêmes maintenant dans la vie de Jean-Baptiste. Maintenant, cela s'est reproduit dans la vie de Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste, comme Sakoli. Le Seigneur utilise son prophète. Pour nous montrer aussi l'état du peuple. Pour parler ou montrer aussi l'état du peuple. On a zolo balokola, les deux témoins. Ici, je parle. Comme le deux témoins, vous allez revêtir de ça. Bakola takabasaki. Ils ont dit ça. Les temps ni Israël, vous allez n'engon attendre. Cela va montrer le temps au pas qui passera Israël. Ils allent le temps y a pour s'humilier devant le Seigneur. Le temps de l'humiliation devant le Seigneur. Et les mangouis allent attendre d'autres prophètes. Et ce signe là est dans la vie ou le corps du prophète. Donc c'est un temps où Israël a pu se repentir aussi. Israël se repentira, bien aimé. A pu zongi l'anzambe na tawana ya deux témoins. Il retournera au Seigneur en ce temps-là des deux témoins. C'est ça et les mots revêtis de ça. Yango wana et les mots balati basaki na nzoto. Omoni yango alati ça. Tu les vois porter les sacs. Mais et les mots wana ils ont tali sa peuple. Mais ce signe-là du prophète qui porte les sacs représente tout un peuple qui s'y. Vous allez en avoir la main. Amen. Ils sont très utiles. Et cela est très utile. Parce que Zamba c'est là qu'on a Joël T. Parce que le Seigneur l'avait demandé dans Joël. Natamba soya pona ba jour na ye yakanda. Lorsqu'il viendra dans ces jours de colère. À ce qui mena peuple na Joël T. Il avait demandé au peuple dans Joël T. Allez vous déchirer vos cœurs. Vous passez sous la mité. Vous s'humiliez. Cet aspect-là, c'est ça le signe de sac ici. Et cet aspect-là, c'est ça le port des sacs de deux témoins. Et Dieu bénisse. Amen. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, qui fait sort de leur bouche. Moto et kobima na monoko na bango. Et dévore leurs ennemis. Te kutumba banguna na bango. Moto kutumba na munoko. Le feu qui sort de leur bouche. Et lingolo ba moto kote utalinga na munoko ya témoin omoni moto wa. Cela ne veut pas dire le feu du rêve dans la bouche des témoins. Non. Donc maloba ba koloba. Donc les paroles. Et vous allez maloba ya jugement. Ce seront des paroles de frappe, des jugements. Contre bato ba kolinga kosala bango mabe. Contre ceux qui voudront à leur vie. On avait vu dans Apocalypse 11, 12 plutôt. Apocalypse 12. Il y aura les serpents. Et vous en avez jeter l'eau à grand fleuve. Il va commencer à jeter de sa bouche l'eau. C'est ça, les gens qui veulent faire du mal
à la femme. Yango wana bato baliko sala mabe na mwasi. Yango tomona ki la bouche. C'est pourquoi on avait vu la bouche. Ils ont mis la maille nyonso. Qui avale toutes ces eaux-là. Et maille nyonso là c'est Esaïe 59, 19. Et ces eaux-là du fleuve Esaïe 59, 19. L'ennemi viendra comme un fleuve. Munguna kuya loko la ba. Mais l'Esprit du Seigneur les mettra en fuite. Nous aurons un amara. Amen. Donc les deux hommes vont vaincre les attaques. C'est comme Élie Azaki sur la montagne dans 2 Rois chapitre 1. C'est comme Élie sur la montagne dans 2 Rois chapitre 1. Dans le roi Zotin dans le groupe de 50. Lorsque le roi envoie le groupe de 50. En réalité, le feu bimaki na monokoya et. En réalité, le feu était sorti de la bouche de Dieu. Mais il y a des paroles à l'obac. C'était la parole qu'avait dit. Si je suis l'homme de Dieu, ce qui n'a sali pour sali. Que j'ai fait naissance. Monte qui t'a ou ta makolo. A l'obi parole. Il a dit une parole. Mais le ciel est répondre. Mais le ciel a répondu. C'est ça, Bazoloba. Et c'est ce qu'on est en train de dire dans le Pocatrice. Et yangon est au moment où yangon a katia. Quatre trompettes où ils ont été en Apocalypse 8. Et c'est ce que nous verrons dans les quatre premières trompettes qui retentissent dans Apocalypse 8. Si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer les cieux. Là, tout le monde qui envoie pas hier. Élie et aussi Moïse à l'obéra sur Yango. Là, nous l'avions vu chez Élie et Moïse en avait aussi parlé. Dans Lévitique 26, verset 19. Dans Lévitique 26, le verset 19. Même dans Deutéronome 28, à l'obéra aussi, dans verset 23. Même dans Deutéronome 28, au verset 23, on en a parlé. Fermeture du ciel. Élie a l'obé dans 1 roi 17, verset 1. Élie en a parlé dans 1 roi 17, verset 1. Enfin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir d'échanger les eaux ensemble. Moïse a sala qui a go. Moïse l'avait fait. Tango a kende qui gota la pharaon. Lorsqu'il était allé voir Pharaon, Exode 7. Dans Exode 7, Pharaon, Zahingo, Sokola, Pharaon s'est baigné. Tango yakomiwana, lorsque Moïse y est arrivé, a frappé Maï. Il a frappé les eaux. Et les eaux de Komaki ensemble. Et les eaux du fleuve s'échangèrent ensemble. C'était le signe du jugement en Égypte. C'était le signe du jugement en Égypte. Zotari Sangol Oyoyo. Moïse a salagé. Et cela représente ou parle du rôle que Moïse avait accompli. Donc, Bazotali il est beaucoup et c'est les magasins. Ici, on montre le signe qui s'accomplit chez les prophètes. Et pour la Bazotali Sabine, qui m'a béni et n'a pas fléau. Et pour montrer qu'il avait frappé, la, ils avaient frappé, qu'ils frapperont la terre par des fleurs. Tant que Babomi, Babon a versé 7. Lorsqu'ils furent tués au verset 7. Voilà ce qui va se passer ministère n'a pas encore. Là, lorsqu'ils achèvent leur témoignage. Ministère n'a pas condé, ils allaient dans 4 à 6e somme. Et leur ministère est contenu dans le 6e somme. Maintenant, tant que Bakoufi, dans le verset 10e, dans le Bible, à Boris 11. Maintenant, à leur mort, on dit au verset 11. Et à cause d'eux, Pélicolo n'a pas encore. Les habitants de la terre se réjouiront. Bafan Yamabele Bakoussepe Laka. Et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres. Pourquoi les habitants de la terre se réjouiront de leur mort? Tina nango bazolo bana dernière portion écriture ya Apocalypse 11 verset 10. La dernière portion du verset 10 nous en donne la raison. Et le Bible dit parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Poete basakolio mi balé batungisa ki bafandi ya mabele. Et les moana neta isakake les deux témoins va frapper mabele. Et ce signe représente vraiment que les deux témoins avaient vraiment frappé la terre. Et ma frappe n'a pas encore été quatre premières trompettes y a Apocalypse 8. Et leurs frappes sont contenues dans les quatre premières trompettes d'Apocalypse 8. Parce que, bien aimé, Dieu frappe par les prophètes. Sabia,
On avait déjà montré cela dans Osée 6. Ce sont des écritures que nous reprenons à tout moment. Et Zalaki, comme travail na bango Zalaki, la protection d'Israël. Et parce que leur mission c'était de protéger le peuple. Le lingue mokoyo aujourd'hui. De la même manière toi aussi aujourd'hui. On a protégé par la parole de la vérité. Tu es protégé par la parole de la vérité. La parole de la vérité est au-dessus de tout. Et la parole de la vérité est au-dessus de toute chose. Tant qu'on s'est confié, et comment me confiez-vous à vos prophètes? Oh, mi pesa na basakoli na bino. Et vous réussirez. Et bino bokolonga ka. Azion on a des chroniques. Chapitre 21. Dans 2 Chroniques chapitre 20. Aujourd'hui aussi, ceux qui ont se confié na Mosali ya solo Yesu Kristo. De même aujourd'hui, si tu t'es confié au véritable prophète qui est Jésus Christ. On s'est confié au quoi aussi na basali na ye. Et tu crois aussi en ses serviteurs. Na makambo bazoloba. Dans les choses qu'ils te disent. Okobike la minene. Et tu vivras des grandes choses, de merveilles. Verset 20. Le verset 20. Il y a des chroniques 20. J'ai dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoute-moi, Juda et habitant de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes, et vous réussirez. La réussite, la réussite, c'est ici, bien-aimé. Même nous aujourd'hui, nous sommes confiés à la parole de Dieu. Nous nous confions à la parole du Seigneur. Et bon, bien réussite. Et c'est la cache de la réussite. Dans toutes choses de ta vie. Qu'est-ce que la parole de Dieu domaine cherche toujours ce que dit la parole dans ces domaines-là. Oyo parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu. Soko se confier na yango. Si tu te confies en ça. Tu réussiras. Yo kolongaka. Il faut une place victoire. Il faut savoir là où se trouve la victoire. Victoire na kata makanisi bele bele. La victoire ne loge pas dans beaucoup de pensées. Mais na kati ya confiance ya ma promesse du Seigneur. Mais dans la confiance aux promesses du Seigneur. Na kati ya likambonios. Dans toutes choses. Dans là les livres des prophètes et le bini ni na point. Il faut poser la question qui dit les livres de Oyezoloba. Ce que les livres disent. Attache-toi à cela. Et tu verras la main. Que le Seigneur te bénisse. Et Dieu prendra bien. Et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Je crois fermement que vous allez mon sungi, mon kambi, mon aîné. Le véritable refuge en dehors de toi, il n'y a point de notre roi. Toi qui agis pour la gloire de ton nom. La gloire se manifeste en tout. Le boko na yo ya solo. Et faut que la banze la prenne comme moi, si mon mari. Puisse ouvrir les chemins pour tout le bien-aimé. Zala kimia pona moko na moko. Soit la paix pour tout un chacun. Et si ka mitambo ya molili zalaki. Là où était dressé le piège de Dieu. Et comment mi ba kosala ba complot contre biso ya moi bon recette. Et des cris qui feront des complots contre nous sera sans. Parce que yon zambo zala ngambo na biso. Parce que toi, éternel. Et l'homme a été samana comme la Jésus-Christ. Et la victoire se manifeste au nom de Jésus. Comme il a dit celui qui est la victoire en tout au nom de Jésus-Christ. Kombona yo Zambé régne dans cette journée. Que ton nom règne dans cette journée. Na misala na biso. Dans tout. Dans tous les chemins que nous passerons, que nous vivions ta Na kombona Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah. Il y a un peu les gens à mon corps.